Chers amis, bonjour. Dans cette petite vidéo qui est la suite logique de la vidéo précédente, durant laquelle j'ai parlé, j'ai montré qu'en Comorien, il existe deux mots dont l'orthographe nécessite qu'on écrive deux consonnes. Et dans cette petite vidéo-là, j'ai cité des mots comoriens. Des mots comoriens dont l'orthographe nécessite qu'on emploie aussi trois consonnes. Donc, j'ai fait cette petite vidéo. Je fais cette petite vidéo pour compléter cette vidéo-là, c'est-à-dire pour vous parler toujours, pour montrer qu'en français, qu'en comorien, pardon, il existe des mots dont l'orthographe nécessite qu'on emploie trois consonnes, qu'on écrive trois consonnes en début de mot ou en fin de mot. Et notamment, ce sont les consonnes nasales qui s'emploient beaucoup en écrivant, en parlant ces mots-là. Mais avant de vous parler de ces mots, je profite de cette petite vidéo pour vous parler encore une fois d'une consonne très importante, d'une consonne qu'on a oublié de parler dans les vidéos précédentes. Elle est très importante, pourquoi? Parce qu'elle s'emploie beaucoup. Parce qu'elle s'emploie beaucoup en parlant et en écrivant la langue comorienne, notamment la consonne ng. Ng, regarde très bien comment cette consonne nasale s'écrit en chicomori, la bonne orthographe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui écrivent mal cette consonne. Ils écrivent N, G, U suivi de la voyelle qu'on voudrait mettre. Là, c'est une faute. Pourquoi? Parce qu'on francise cette consonne. Ng, regardez très bien, je peux vous donner quelques exemples en chicomori comme Ngama, Ngoma, Ngalawa ou Langa. Regardez très bien l'orthographe de ces mots. Ngoma, Ngalawa ou Langa. Donc, là, quand vous écrivez ces mots en chicomori, faites vraiment attention. Alors, s'agissant en ce qui concerne les mots comoriens dont l'orthographe nécessite qu'on écrive trois consonnes, exemple, Nderema. Nderema, regardez bien comment ce mot s'écrit correctement. Nrovi, Tsahi, Tsahi, Tsana. Donc, vous voyez très bien que l'orthographe de ces mots nécessite qu'on prononce la consonne N. Raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure que généralement, ce sont les consonnes nasales qui s'emploient en parlant ces mots. Ce sont les consonnes nasales. Donc, vous voyez très bien, mes chers amis, qu'on a une très belle langue. Une langue qui se comprend facilement, dont l'orthographe se comprend, s'écrit facilement. Une très belle langue. Une langue qui a tout pour être appréciée à sa juste valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a sa syntaxe, sa conjugaison, son orthographe, son vocabulaire. Donc, elle est très riche en vocabulaire. C'est une langue très riche en vocabulaire. C'est une langue très éloquente. Très éloquente, pourquoi? Parce qu'elle est riche en figures de style. Elle est riche en proverbes. Elle est riche vraiment en expressions figées. Donc, il existe une très belle littérature qui nous accompagne, qui nous aide à mieux comprendre cette belle langue. Pour finir, je profite de cette petite vidéo pour vous informer que M. Chamanga, qui est un grand linguiste de la langue comorienne, va sortir un livre très important. Un livre très important, pourquoi? Parce qu'il est pédagogique. C'est un livre qui nous accompagne, qui va nous accompagner à mieux comprendre notre langue, notamment la manière dont les mots s'écrivent en chicomori. Donc, il y a une très bonne traduction, une traduction très bien faite, donc, voilà, vraiment, je vous invite à commander vraiment cet ouvrage qui est très important, qui va vous aider à mieux comprendre la langue comorienne. Donc, merci, mes chers amis,
de partager cette petite vidéo au bénéfice de tout le monde. Parce que plus vous partagez nos petites vidéos, plus notre langue s'enrichit, se développe petit à petit. Donc, et finalement, au final, elle va sortir de son statut oral. Je vous remercie.